Hello les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Black Myth Wukong. Donc on est au 9e épisode, les amis. J'espère que vous êtes en train d'aimer cette série. Que dire de plus? On démarre avec cette aventure qui nous est en train de nous mettre un peu de stress, mais on s'en sort encore bien. Mais bon, le pire reste à venir, les amis. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve, les amis, alors. Comme vous avez pu voir, j'ai tué le boss de pierre qui était hyper compliqué à tuer. Je pense que c'est vraiment le premier boss qui m'a donné du fil à retordre de tout ce que j'ai rencontré. Mais je voulais vous faire part de quelque chose. J'ai fait un nouvel... des nouveaux vêtements, les amis. Merde! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il veut, hein? Je suis en train d'expliquer des affaires et l'autre, il s'énerve. Il est disparu. Bon. On s'en fout. Donc, du coup, les amis, je vous expliquais. J'ai fait mes nouveaux vêtements, les amis. Brassard, vêtements du haut, du bas, pour les jambes. Et le masque aussi. Je l'ai fait en solo parce que j'ai fait un peu de niveautage. Comme vous pouvez voir, je suis niveau 42, presque 43, les amis. Donc j'ai fait ça. Masque de bête garde bourrasque. Puis j'ai fait armure de la gueule garde bourrossard. Bourrasque. Bourrasque, purée, je vais y arriver. Brassard garde bourrasque. Et jambière garde bourrasque. Enfin, on est arrivé. Je m'embrouille avec moi-même, les amis. Est-ce que c'est normal? Donc ici, le Mr. Pierrot, là, il est plus là. C'est devenu une mocheté de l'au-delà. Puis j'ai eu ici, comme vous avez pu voir, encore une sauvegarde. Et maintenant, les amis, on se dirige vers je ne sais pas où. Du coup, je ne sais pas... Ah! C'est quoi, ça? Des zombies, les amis, qui sont moches. Eh, l'autre, il est énervé, l'autre, hein. Mais casse pas les balles, andouille. Zombie maudit. Wow! Mais il y a encore lui. Bam! J'ai augmenté un peu mes statistiques aussi, les amis. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu plus de facilité... Ah oui, je suis empoisonné. Un peu plus de facilité à faire mes attaques, les amis. Est-ce qu'il va encore me... Où ça va? Il va encore me retirer de l'énergie ou pas? Ah ouais, ça diminue, les amis, ça diminue. Mais bon, je pense que ça va aller. Oh purée! Non! Est-ce que c'est normal que je crève comme ça d'un coup, les amis? Je ne pense point, mais bon. J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. On va retester, les amis. L'autre, même si je passe à côté, il va quand même se relever. Bah oui, ça... Nous, on s'en fout, les amis. On doit aller voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas normal que je me suis fait exploser en un coup. Je voulais peut-être esquiver. Mais j'espère que les attaques là, elles vont pas être continues. Ça va être qu'une attaque seulement. Sinon, je suis pas dans la merdasse, hein, les amis. Bon, je vais faire ici, comme ça, moi, je repars d'ici. S'ils ont mis une sauvegarde ici, c'est que... Ce n'est point simple. Ce qui se passe par là, les amis. Ce n'est point normal. Je pense que c'est la seule chose que je pouvais faire. Vas-y. 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 Crève, andouille. Wow, tout juste. Vas-y, vas-y. On l'a presque, les amis. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu vas où, toi, andouille? Andouille.
On l'a eu, les amis. Sang du terreau de fer. Il va me donner quoi, lui? Gouverneur des rats. On est presque au président, les amis. Donc on va aller voir ce qu'il nous donne, lui. Gouverneur du roi, il est où? Hé, le gouverneur, t'es où en douille? Ah, voilà. Adoptez la forme du gouverneur des rats. Bondissez avec votre bâton et faites jaillir des éclats de son extrémité pour frapper les ennemis. Infligeant des dégâts de foudre. Augmente modérément les dégâts de foudre. Voir la démo. Ok, ça lance des dégâts de foudre, en fait. Moins 20 en... Non. Mais ça me met quelque chose en plus, non? Moins 20 en défense. Non, je peux pas. Surtout ici, je peux pas pour le moment. On testera ça une autre fois. Ah! C'est quoi, ça? Donnez-moi tout ce qu'il y a à me donner. Pilule de taille céleste. Remède céleste. Une pilule miraculeuse créée par le roi père de l'Est, de la montagne de Fang Zhang, qui augmente le mana max. Merci pour cet ajout. Ça me fait plaisir, les amis. Moi et le mana, on fait plus que deux. Ici, je ne sais pas où je vais. Là, je peux y aller? Non. C'est un mur de vidasse. Là-bas, je vais par où? Attendez, je vais regarder un peu ce qui se passe là-bas. Je peux peut-être pas avancer, hein, ça, on ne sait pas, les amis. Ah, la méditation, les amis. Ah, un point de compétence. C'est ce qui m'importe. Que je suis beau habillé, les amis. Allez, on se relaxe. C'est un moment inoubliable. Un moment que peu de personnes peuvent voir dans leur vie. Mais le plus important, c'est d'y croire et de voir ce qu'on voit. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, les amis. Moi, pas trop, mais bon, c'est pas grave. Allez, on est à deux points de compétence, les amis. J'ai toujours peur quand on entend les claquements de mes doigts sur le pad. Non! Il se passe quoi? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Il y a qui bourdelle, les amis? C'est quoi le bombardement de Normandie? Chaque fois où je passe, moi, il y a du bombardement. Hein. Mais purée, les amis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ah, le chanteur sans tête. Ah, c'est moche quand même de voir ça. Doucement, ok, ça va, je vais plus doucement. Ah, sous les aisselles. Qu'est-ce qu'il y a sous les aisselles? Il me donne l'essence des aisselles, les amis. Vous avez vu comme moi, il était en dessous de ses aisselles. Hein. Ah, il fait chaud, ça transpire, ben, c'est la transpiration, ça, ok. Viens, sans mon odeur. Prends mon odeur. Tu vas sentir comme moi. C'est quoi, ça? Très utile. Oui, mais c'est quoi? Touffe de multiplicité. Sort.
Créez des doubles pour vous aider au combat en soufflant des mèches dans les airs. Oh purée les amis, on peut se dédoublage. Ouh, que ça va être beau ça. Je suis emballé, mais ouais. Ouh, ça m'emballe tout ça. Fini, je pense. J'étais dedans, les amis. J'étais wow. Alors, bah on récupère, même s'il n'y a rien à récupérer, je pense. Fouah, un millimètre de... Par contre, examiner. Pas assez de hardeur de tigre. À chaque fois, on me dit la même chose ici. Je peux aller en bas? Non! C'est un mur invisible. Je veux de l'ardeur. Je ne sais pas quoi, là. Donne-moi des orbèges. On va directement tester notre magie, les amis. C'est qui, l'autre, là-bas? C'est un ennemi. Hé, l'andouille! Je vais tester le double de moi. Oh, purée, les amis! L'attaque à la Naruto ici. Minga purée. C'est stylo. Et ça dure combien cette chose là? Oh purée. C'est un boss age. C'est un boss les amis. Minga, je comprends rien ce que je suis en train de foutre là. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Je comprends rien, je comprends rien. Attendez, parce que là, ça va pas le faire. Il est moche, ce truc-là. Vas-y. Ah, il se protège avec ses taches rouges, hein. Taches de sang, là, je sais pas quoi. Viens ici, hein. Ouais, ça me retire de l'énergie, hein. Wow, World of Warcraft. Tu sais quoi? Vas-y. Minga purée, 3 heures. Allez, vas-y. Je t'ai dit, je... Vomir, espèce de schkafatzbal que t'es, va. On l'a presque eu, les amis, mais j'ai plus de malin. Non! Oh, le sol, il est fou. Mais il me fait des attaques de loin. Énergise-toi! Ça va, ça m'en a esquivé cette fois. Il m'a énervé, hein. Il m'a un peu énervé, cette andouille. Voilà, crève, hein. Saleté, va. Ah, une âme, les amis. Sang du taureau de fer. Bon. Du QI. On va faire ça, déjà. Donc, on va aller voir ce qu'il nous donne, lui. Puis, on est en train d'en trouver des affaires, ici. C'était qui, lui? Voilà. Daoïste aux yeux de sang. Sans brouillonnant. Adoptez la forme du Daoïste aux yeux de sang. Brandissez un bâton surmonté d'un crapaud dont les yeux émettent un éclat pourpre.
Restez dans la lumière et votre attaque sera renforcée. Le bâton disparaît de lui-même au bout d'un moment. En combat, appuyez sur RTLT pour l'utiliser. Augmente modérément le mana max. Ça me retire toujours 20 de défense. Mais ça a l'air quand même stylé, hein, cette attaque-là. Ah ok, le bâton il reste en fait. Je sais pas les amis, j'ai quand même envie de le mettre, mais ça me stresse. Pour le moment, je vais rester comme je suis. Ouh, pardon, comme d'habitude. Les éternuements les amis. Comme je vous ai dit, un épisode sans éternuements, c'est pas un épisode. Ming, y'a plus rien, il m'a fait peur lui. Oh. Purée, tout ce qui m'a retiré. Espèce de champignon maudit, va. Je regarde, je vois un truc que j'esquive plus comme je devrais esquiver. Hein. Mais purée, mais lock le bordel, ça fait une heure que j'essaie de. Ok. Lui, il me donne rien, lui. Non. Mais bon, c'est déjà ça. Ici, à quoi, ici? Cueillir. Plante parfumée Lugia. Ici, a plus rien. Ok. Hé, Laura! Par contre, les amis, je vais aller me ressourcer... à la source. Parce que je suis quand même un peu dans la merdouille. Parce que je suis en train de me empoisonner. Je suis en train de me crever. J'ai plus de mana. Je viens marseiller. Je sais pas ce qui se passe. Mais je ne comprends pas un truc les amis. Est-ce que les portes là que je dois ouvrir, c'est par rapport au boss? Ou c'est parce qu'il y a des trucs à... Des boss annexes à l'histoire de base qui me donnent des trucs en plus. C'est ça que je comprends pas. Parce que moi j'avance, mais... Il y a une panoplie de boss hein, dans cette carte. Hein. J'ai l'impression que... Il y a des boss à gogo ici. Moi j'avance, mais... Donnez-moi de la soie, je veux de la soie, je veux, parce que la soie c'est ce qui donne les vêtements et tout. C'est qui lui là-bas? Andouille! Est-ce qu'il y a moyen de se battre? On a déjà à faire ces casse-balles là les amis. Merde. Est-ce que tu vas m'énerver longtemps, toi? Parce que tu m'as déjà cassé, là. Hey, crève un bordel de ta race. Voilà. Ah, de la soie. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce petit truc-là de merde? C'était quoi ce petit truc là? Y'a rien ici. C'est quoi le truc là-bas? Encore un petit truc de rien du tout. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque... Ouh, des zombies. The Resident Evil, les amis. Sorti droit de Resident Evil. Amityville. Allez, crève. Pas que ça à faire, moi, de me casser les balles avec des zombies. Ah, il y a... Oh! Purée, mais c'est pas vrai. Ah, à chaque fois, je vais l'utiliser pour lui, le truc, là.
Attendez, parce que je dois me ressourcer en Energizer, parce que sinon... Voilà. Energizer. Minga purée, c'est pas vrai qu'à chaque fois je vais être empoisonné. Je sais pas si l'autre là... On va le prendre, on va voir. Non, c'est pas ça. C'est rien, je suis empoisonné. C'est quoi ce truc? Volonté, soit fois 3, wow. Ça c'est bon. Je suis pété, je suis empoisonné. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Ils sont moches ces trucs là. Ils sont tout petits, tout moches là, ils courent de partout. Il est où? Wow. Il m'a cassé les balles à lui, purée. Crève, hein. Tu vois que j'ai que ça à faire, moi, de péter les faces avec... les façades avec toi. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Purée, il y a des portes partout, il y a des... C'est quoi, ici? Un boss. C'est quoi ici? Mais je suis où là? C'est pas où j'ai fait, où j'ai eu le combat avec le gros rat, non? C'est pas ici? Ça m'a tout l'air. Mais je ne suis pas sûr en fait que c'est là. Qu'est-ce qui m'énerve? Merde, mais purée, pourquoi ils explosent? Quoi? C'est qui? Mais ça bombarde de partout ici. T'as tout ce qui m'a retiré comme énergie. En douille. Et tu vas te rassasier, toi. Mais je suis où ici? Je suis revenu en arrière, les amis. Bah ouais, alors c'est où est-ce que j'ai fait le combat avec l'autre, là. Ça, okay, ça va, ok. En fait, c'est une porte qu'on pouvait pas ouvrir, que maintenant, j'ai pu ouvrir. Du coup, je peux passer par là, ou sinon, je peux aller... je peux monter. J'ai fait un de ces tours. Mais est-ce que je peux y aller ici, déjà? Je ne peux pas. Mais là, c'est la porte où je devais passer, en fait. Ming, j'y comprends plus rien. Purée. Pourquoi me faire venir en arrière? Et je vous jure, je vais péter les plombs ici, moi. C'est pas ici que je vais venir? J'y comprends strictement plus rien à ce jeu. Où je dois aller, par où je dois passer. Il y a trop de choses bizarres dans ce jeu. Enfin, sans carte, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible sans carte, ce jeu. On va tourner en rond pendant des heures et...
pas assez d'ardeur du tigre, mais cette ardeur du tigre. Là-bas, il y a un pont, je sais même pas. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, je peux pas! Qu'est-ce qu'il fait? Il se baigne dedans? Je peux pas, je peux pas. Beau. Bon, ben, on va aller par là-bas, hein. On va aller par où est-ce qu'on a ouvert la porte. Peut-être que... Bon, je fais que passer, hein. Vous inquiétez pas pour moi. Non, vous inquiétez pas pour moi. Non, ça va, ça va. Quoique je vais les tuer parce qu'après, il y a l'autre qui va me casser les balles là-bas. Et si on me tue jusque là-bas, pas dans la merdouille. Voilà. Et il me donne du de la soie en plus, hein. De la soi-disant soie. Paf! Un gars purée, comment je l'ai cartonné là. Un gars lui aussi est en train de me cartonner. Hein. Et il me cartonne pas de peu. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a pris celui-là? Tiens, il est chaud maintenant. Il a pété les plombs quoi. Et en douille. Mais purée, tu vas crever, oui. Ah, femme. Vous voulez faire le malin maintenant? Allez, on va faire le malin. Voilà. Vas-y, va crever ailleurs. Là, on a été hier. Là-bas, c'est fermé parce que c'est la porte de l'autre côté. Là, je passe par ici. À gauche, je retourne au tout début. Et là, je vais par où? Allez, on va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Par ici, je vais... Okay, mais c'est quoi ce touche qu'il faut ici? C'est quoi ça? Vert spiritueux éveillé, matériel. Alors. Par ici. J'entends des voix de partout, mais je vois personne. Wow! Je vois un zombie qui me lance des choses. Voilà. Ça du thé. Là, c'est où j'ai combattu l'autre. On va faire cueillette. Ici, je vais par où? Entré. Ah! C'est peut-être ici, les amis. On va voir. Ah, encore un boss. Pour pas changer. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tiens, mange. Tu sais que... Tu me les as brisés en douille. Voilà. Donne-moi tes âmes et va faire couler Iglesias. Allez. Donne-moi tes âmes. 5, 2, 3, 1. Ok, ça je sais. Chauve-souris vers... Vélos, mga féroce. Qu'est-ce qu'il me donne, lui? Chauve-souris féroce. Adoptez la forme d'une chauve-souris véloce, déployez vos ailes et provoquez un vent de sable qui frappe les ennemis osant s'approcher. Augmente modérément la récupération d'endurance. Ok, on va voir. Wow. Et ça me retire toujours 20 de défense. Hein. Bon Dieu qu'il est moche. Bon, moi je viens de là. Là-bas, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Je peux voir? Bon, là-bas, il y a un truc. Ici, il y a quoi?
C'est trop vaste. Il n'y a pas de carte. C'est vraiment du n'importe quoi, je vous jure les amis. C'est pas pour critiquer, mais là c'est un peu trop exagéré. Temple du tigre tapis. Ah ben je pense que si, il va y avoir un gros combat là. Ah ben attendez, on va aller déjà là. Valadje, c'est quoi ça? C'est quelle langue, Valadje? Ah, Valadje. Récupérons. Bordel de neige. Alors, le temple ici, il est où? On rentre par où ici? Est-ce qu'il y a une entrée? Il y a des gens empalés. C'est déjà pas bon signe. Il y a des morts partout. Bon, j'ai compris qu'ici, je me dirige vers un gros combat. Donc, par là, je me dirige où? On va voir ce qui se passe ici. Quoi? C'est qui, lui? Ah, c'est des chauves-souris, ok. Ça va, c'est pas... Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux! Mais arrête de faire chier ton monde à toi. Voilà. Paf! Le chien. Ah bah ça va y avec ça. Autant le faire. Qu'est-ce qu'il va me donner lui? Pilule nonuple céleste. Remède céleste. Une pilule miraculeuse, raffinée. Qui donne de l'endurance max, ok. On va pas continuer à lire tout le temps la même chose. Donc avec ça, ça va. Heureusement que je suis revenu. Sinon j'aurais raté ça. Donc je suppose que c'est... C'est par ici que je dois aller. Je suppose. Le suppositoire. En plus qu'en fait, quand normalement on trouve des offrandes là, normalement c'est toujours la bonne route. Wow! Bon les amis, moi je vais arrêter mon épisode ici, j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé jusque maintenant. Que dire de plus? Activez la cloche, abonnez-vous, continuez à me suivre les amis, pour ceux qui ne le font pas. Libre votre choix de le faire les amis. Mais je vous remercie quand même d'être passé. Un grand merci les amis. Mettez un pouce bleu. Et on se retrouve demain avec un nouvel épisode les amis. Allez, ciao ciao!